Salut, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette brève présentation, je vais vous montrer comment investir dans le budget publicitaire iMarketing avec son cashback. Notre cas sera un peu spécial du fait que sur iMarketing, Lorsque vous avez ouvert votre compte avec le chèque cadeau de 50 dollars, alors votre premier retrait sur iMarketing, que ce soit par le cashback ou que ce soit pour un retrait vers un portefeuille ou une carte Visa, le minimum c'est de 100 dollars. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer ici comment financer votre budget publicitaire avec votre cashback, dont le montant ici serait de 100 dollars. Nous sommes ici sur mon compte iMarketing et là, vous allez voir comment réinvestir votre budget publicitaire de 100 dollars avec votre cashback. Donc, nous allons dans le menu, nous cherchons publicité. Je clique sur publicité. Alors dans ma publicité, je vais financer ma publicité de 100 dollars. Je mets augmenter un budget. Après, je vais mettre le montant de 100 dollars. Je viens ici, je sélectionne cashback, utiliser le cashback. Vous voyez que ici, j'ai rempli comme il faut, mais j'ai mis plutôt utiliser 100 dollars de cashback et hop, je clique sur valider pour payer. Et voilà, on dit réapprovisionnement avec succès. Maintenant, pour savoir si mon cashback a été réellement utilisé pour ma publicité, je reviens sur mon menu et vous voyez du coup ici. La balance des annonces est de 110 dollars. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, iMarketing donne 10% pour une promotion. Donc, mon nouveau cashback est de 3,62 $ et la balance des annonces est de 100 dollars 10 puisqu'il y a un 10 qui est dessus pour la promotion. Donc, voilà comment est-ce qu'on finance son cashback, sa publicité à partir de son cashback pour la première fois lorsqu'on utilise le chèque cadeau de 50 dollars. Merci bien et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez également sur la chaîne de notification pour être au courant des nouvelles nouveautés. Ciao, ciao, bye.